Bonjour les garçons. Bonjour maman. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Alors on est où aujourd'hui les garçons? On est à Maxi Toys. Et nous sommes devant quel rayon? Les Bakugan. Devant les Bakugan. La nouvelle mode là, les Bakugan, hein, c'est ressorti, ça existait il y a longtemps. Donc c'est ressorti. Et par contre il est où Cody? Il est malade. Et oui, Cody il est malade, il a pas passé une bonne nuit. Donc on l'a laissé bien au chaud avec papa. Et les garçons vont faire leur vidéo tous les deux. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup devant les Bakugan? On va faire une chasse. Des battles et des chasses. Voilà, alors en fait, je vous explique. J'ai caché 6 Bakugan, 6 personnages Bakugan, pas loin là. On a une arène ici. Et les garçons, une fois qu'ils auront trouvé leurs 3 Bakugan chacun, devront s'affronter. Qui va gagner entre vous? Tino ou Lenny? Allez, faites vos paris les copains. Donc du coup d'abord on va vous présenter un petit peu les Bakugan. Alors est-ce que vous nous expliquez un petit peu les garçons? Oui, alors, les Bakugan déjà c'est aimanté. C'est aimanté, ouais, très bien. Donc en fait ce sont des petits personnages, alors voilà, ça se présente sous forme de boule comme ça. Et une fois qu'ils ont touché les cartes aimantées, elles s'ouvrent, ils s'ouvrent comme ça et ça devient des genres de bestioles. Donc il y en a plein, hein. Il y a des lions, des serpents. Ouais, il y a plein de trucs, serpents, tigres, dragons. Enfin, il y a plein de choses. Donc c'est vendu soit à l'unité, soit par pack de 3. Des gros packs comme ça de battle. Il y a plein de choses et surtout l'arène de combat. L'arène, parce que si on n'a pas l'arène, c'est plus compliqué de faire les combats. Donc, si vous voulez jouer au Bakugan, n'hésitez pas à commander pour Noël, hein, l'arène. Parce que du coup, voilà, ça se présente comme ça. Alors nous, là, on a le pied, mais sinon, ça se présente comme ça. Et là, il y a le... Avec tous les petits... les équipes et tout ça. Donc, il y a les cartes et il y a tous les petits traits là pour coller les petits badges. Énorme Bakugan. Ah oui, l'énorme Bakugan. Et du coup, avec l'arène, c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est mieux pour les combats, hein, parce que sans arène c'est plus compliqué. Donc du coup voilà. Donc vous avez vraiment le choix dans vos Bakugan, les packs et cette fameuse arène. Donc jetez-vous dessus avant qu'il n'y en ait plus. Alors du coup les garçons, vous êtes prêts à chercher? Oui. Alors 3, 2, 1, c'est parti. En fait vous avez un petit peu vu, non? Alors vous en avez 3 chacun, sinon tu as le droit d'en prendre que 3, hein, pas plus. Par contre, le troisième, c'est pas Lenny. Alors. Voilà. Que 3, Lenny. Hein. T'en as pris que 3? Ouais. Alors, Tino, il t'en manque un pour faire tes combats parce que une battle se joue en 3 manches. Donc, si t'as pas tes 3 Bakugan, t'es fichu. Alors. Tino. Ah. Lenny, il avait pris lui. Bah, c'est pas grave, non? T'as trouvé celui-là, tu prends celui-là. J'ai pris le rouge moi. Mais c'est pas grave, là tout à l'heure t'as essayé. Mais là tu prends celui que t'as trouvé. Bon, tiens. Ah bah vous échangez tout compte fait. Alors du coup oui, en fait je les ai cachés dans ces arènes. Parce que là c'est aimanté. Donc et bah, sinon ça s'ouvre. Donc je me suis fait avoir. Bah oui tu vois, dès que c'est aimanté ça s'ouvre. Donc voilà, je me suis un petit peu fait avoir. Ouais. Alors du coup les garçons, vous avez préparé vos cartes parce que vous aviez choisi vos personnages que j'ai cachés. Donc Tino, toi tu as lequel? Mien. Ah bah oui, si tu le mets sur les cartes, ça va s'ouvrir. En fait, c'est grâce à ces petites cartes-là que ça s'ouvre. Donc, faut pas les mettre dessus. Alors, avant la battle. Ça, alors lui, c'est le serpent. Ok. Il est très beau, d'accord. Lui, c'est un genre de lion. Oui. Ouais. Oh non, lui là. Et lui, c'est un dinosaure. Je sais pas trop c'est quoi. Bon, ils ont des noms, hein, mais bon. Voilà. Eleni, il a un genre de lion, un dinosaure et un dragon. Un tigre, ça c'est. Un tigre, bon un tigre alors. Bon les garçons s'y connaissent plus que moi. Alors du coup, vous avez... Ah attention. Si ça vient sur les cartes, ça s'ouvre. Alors est-ce que vous êtes prêts pour cette première battle les garçons? Mais oui. Et moi j'affronterai le gagnant. Ouais. Uh-huh. Attends, maman, tu peux me le refaire? Ah bah oui tiens. Alors du coup, on refait. Voilà. Alors du coup, vous êtes prêts? Attends, parce que là, je me suis juste un peu trompée ici. Ah, attends. Voilà. Du coup, ça, c'est bon. Donc, on a préparé les cartes. Donc, en fait, il y a 7 badges par joueur. Donc, on peut jouer jusqu'à 4 hein, sur une arène. Il y a 7 badges par joueur, bien à 14. On les colle comme ça, tous les uns aux autres. Et le but, c'est de jeter le Bakugan dessus.
Et quand le Bakugan atterrit, ça nous fait des points. Vous avez bien compris? Sinon, on peut en avoir moins, comme ça, moins de 100. Ah, des moins aussi? Ah, d'accord. Oh, super. J'ai bon alors, attention, vous êtes prêts pour la première manche? Oui. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Jetez votre Bakugan. 1, 2, 3. Bakugan! Ah, Tino, ah! Alors, Tino, donc plus voilà, son petit personnage, il s'est ouvert. Et donc, il a plus 100. Plus 100. Alors, j'en ai 300 bien dans ce sens. Plus 100. Voilà, donc plus 100 après le reste, je sais pas. Donc là, ça fait plus 100. Donc Tino, il a gagné la première manche. Donc celui-là, tu le laisses de côté. Ouais. C'est ça. Ton personnage aussi, tu le laisses de côté. Ah, d'accord. Lenny, il te reste deux personnages. Attention, 1, 2, 3. Ah bah alors. 1, 2, 3. Bakugan. Oh. Ah, Tino. Alors Lenny, il s'est ouvert ou pas, tiens. Moins 1. Ah, alors du coup, là, moins 1 et Lenny le tient. Regarde. Oh, plus 250. Donc Lenny a gagné cette deuxième manche. Attention. Ah, donc là vous êtes à 1-1. Alors qui va gagner? Vous êtes prêts pour la troisième? Oui. Attention Tino, prends ton troisième personnage. Attends, je prends celui qui en a le plus maintenant. 1, 2, 3. Bakugan. Citron comme ça. Bingo. Plus 6. Mais et non, toi? Pourquoi il s'est ouvert? Alors attends, ah bah oui, regarde, il est collé, c'est bon. Bah, moins 200. Ouh là là, Lenny a perdu. Alors Tino, tu as gagné la manche? Oui. C'est moi qui va t'affronter maintenant? Oui. Ok, alors c'est parti. J'ai on remet les Bakugan. Ouais, bah on va peut-être les échanger, on va reprendre ceux qu'il y a là, mais on va les échanger. Donc du coup, on replie tous nos Bakugan, on se met en place et on revient. Alors du coup, Tino, t'es prêt à m'affronter? Oui. Parce que moi je vais gagner. Hein. Oui. Alors du coup, on a échangé nos personnages. Alors moi j'ai ces trois là. J'ai voilà ces trois là et Tino il a ces trois là. Voilà. Non mais laisse tomber, je vais gagner Tino. Alors t'es prêt? Oui. 1, 2, 3, Bakugan. Oh, comment je t'ai dépouillé. Donc là j'ai plus 250. Oh, j'ai gagné à la première manche. Dépouillée. Eh, t'as vu comment je suis trop forte? Dépouillée. Attention. Attends. T'es prêt? 3. 2, 1, Bakugan. Ah non, il s'est. Ah lui, il s'est pas collé. À moins 4. J'ai gagné quand même. Bah non, si moi j'ai 0, toi t'as moins 4. Non? Je sais pas comment ça marche. J'ai quand même gagné, regarde. Ah bon, t'as gagné quand même? Non. Bon, allez, on va dire qu'on est à 1-1. Tu soutiens qui, toi? Ton frère ou moi? Moi? Ok, merci Lenny, t'es dans mon équipe, check. On va gagner, Lenny. 1, 2, 3, Bakugan. Ouais. Attention. Ah, j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Alors, ah, c'est le premier. Donc, et on c'est égalité. Le premier, maman. Donc, non, j'ai plus 100 et toi plus 500. Bim. Mais en même oh temps, non, il a gagné. Je croyais vraiment que j'allais gagner. Bravo. Bon, bah, bravo, champion. On se serre la main. Et maman, j'ai gagné les deux coups. Ouais, t'as gagné. Toi, t'es trop fort. T'es un champion des Bakugan, toi. Ouais. D'accord. Alors, parmi tous ceux qu'il y a là, c'est lequel ton préféré? Tous. Tous, d'accord. Et Lenny, toi, parmi tous ceux qu'il y a là, c'est lequel ton préféré? Parmi tous ceux qui... c'est lequel mon préféré? En grand, en quoi? Non, regardez, mais tu sais, en petit là, lequel? C'est lui mon préféré. Ah, toi, c'est celui-là. C'est Mantonoïde Ultra. C'est un genre de... je sais pas, d'araignée, un truc comme ça, de tarentule. Et Lenny, toi? Ah oui, donc toi, tu cherches dans les cartes. Un serpent. Non mais c'est. Ah oui, un serpentus ultra. D'accord. Donc voilà. Alors là, vous savez quoi les garçons? Comme Cody, il est malade, et bah on va lui ramener celui-là. Quoi? Parce que la dernière fois il avait bien aimé. On lui ramène celui-là? Ça va lui faire un beau cadeau hein. Ouais. Ça fait quoi si on appuie? C'est en dessous, vas-y appuie. Là? Non ici là je crois. Ouais. Il va être content vous pensez? Ouais. Allez on lui ramène ça. Alors les garçons, est-ce que ces battles vous ont plu? Ouais, je pense qu'on va se retrouver avec des Bakugan sur la liste de Noël. Oui, bien tous les Bakugan, là c'est à nous. Bah oui. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette battle? Trop bien. Trop bien. Trop bien, ouais. Bon, super. Alors on va pouvoir dire au revoir aux copains maintenant. Au revoir les copains, surtout pour ce pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous.
Allez, gros bisous et on ramène ce beau cadeau à Cody. Et surtout, foncez sur cette arène parce qu'elle va vite être en rupture de stock. Donc n'hésitez pas. Allez, gros bisous. Gros bisous et c'est trop bien. N'hésitez pas à en acheter.